Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog d'automne. Les gars, c'est Halloween aujourd'hui. J'ai mes deux petites crottes de nez. Coucou. Ils sont venus à la maison. Il est à peine 8h, 8h19. Je suis réveillée depuis un peu avant 8h. Ouais, il était 7h40 quand je me suis réveillée. Un tout petit peu moins. Mon chéri m'a pas levé à 15 parce que... Enfin, à 7h15 parce que je me suis endormie. Il était 3h30 du matin. Et je vous avoue que je suis bien fatiguée. J'ai l'œil un peu rouge et tout parce que vraiment, j'ai pas beaucoup dormi. En plus, Inès s'est réveillée à 4h40 et quelques. Je suis restée réveillée avec elle jusqu'à 5h15, on va dire à peu près. Donc franchement, j'ai pas énormément dormi. Mais bon, ça va aller. Je suis encore jeune, par des nuits quasiment blanches. Tout ça pour dire que j'ai le plombier qui va passer pour les toilettes. Enfin, il serait bien temps, ça fait 3 semaines. Essayez de filmer aujourd'hui ma vidéo sur les livres. Et je vais commencer un nouveau livre, c'est Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes aux éditions Pocket Jeunesse. C'est celui-ci. Je sais pas, c'est celui qui me tente. Enfin, c'est pas celui qui me tentait le plus. Celui qui me tentait le plus vraiment est Galante. Mais je sais pas pourquoi j'ai pris celui-ci. Et du coup, bah voilà, je vais commencer celui-là. Donc, du coup, je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Bon, je suis en train de commencer à faire à manger. Je vais faire des pâtes au brocoli avec des saucisses. C'est tout ce que j'ai au frigo. J'ai pas sorti de viande, j'ai rien fait. Donc, on va faire ça. On va savoir la dalle d'ouf. Il est 11h13 seulement. Je vais couper mes petites saucisses que je vais faire revenir dans un petit peu de beurre et d'ail. Je vais faire revenir mes petites saucisses avec l'ail et puis voilà. Et après je fais cuire mes pâtes et je mélange le tout. C'est la première fois que je fais ça, hein. Je sais pas du tout si ça va être bon. Et je ferai cuire mes pâtes dans 10-15 minutes parce qu'il est 11h23 donc c'est encore un peu tôt. Oh vas-y. Bon les gars, j'ai tourné ma vidéo du coup de mon update lecture, de ce que j'ai lu ces derniers temps. Et je vais pas faire de pâle, franchement j'ai pas envie, je mets sur les réseaux, ça suffit. Et je lis au fur et à mesure et de toute façon je peux pas m'estimer à avoir une pâle à part pour les périodes de Noël par exemple. Parce qu'en fait je sais pas ce que je vais lire, c'est vraiment au feeling. Donc du coup j'ai pas envie de m'instaurer une pâle et me frustrer sur le fait que j'ai peut-être pas lu la pâle en entier. J'ai pas envie de ça, donc j'ai préféré faire comme ça, juste mes update lecture, ce que j'ai lu ces derniers temps. Si je vois que je lis pas assez en un mois, bah je coupe de 2 en 2 mois, mais dans tous les cas on va s'organiser. Bref, vous entendez Inès, je vais manger, j'ai terminé la bouffe et tout, donc je vous dis à tout de suite. Bisous. Bon les gars, Inès est insupportable, c'est incroyable. J'ai pas trop filmé franchement, je me suis attaquée au montage. Il est 17h et je viens juste de terminer. J'ai eu trop de trucs à faire. Franchement c'est un vlog qui était couplé sur 2 jours, sauf que le problème c'est comme il y a des recettes, bah du coup c'est toujours plus long, il y a des choses à rajouter et tout, donc ça m'a pris grave du temps. Et voilà, il y avait mes petits frères et tout, donc j'ai aussi profité un petit peu. Et en réfléchissant tout à l'heure, bah je me suis dit que c'était le dernier vlog d'automne déjà de 1, donc je suis hyper triste franchement, ça me titille un petit peu. Et c'est aussi bah du coup Halloween les gars. Genre je suis trop contente, donc là je vais sortir, donc je vais pas le faire maintenant parce que bon, fut une époque où je m'en foutais, mais là en fait j'ai trop envie d'essayer un maquillage d'Halloween, un truc hyper rapide, et du coup bah j'ai envie de tester pour voir si j'arrive à le faire. Et c'est surtout que bah c'est une de mes plus grosses phobies. Donc c'est aussi un petit challenge que je me mets. Mais du coup j'ai grave envie d'essayer. Donc écoutez, là je vais vite fait me préparer. Je vais sortir, je vais pas prendre la caméra. Comme ça après j'irai acheter 2-3 petites choses pour ce soir. J'aimerais bien acheter des petits bonbons, des trucs, parce que j'ai vraiment envie de faire une petite soirée tranquille Halloween et tout. Donc écoutez, on verra. Mais bon, dans tous les cas je vous retrouve un peu plus tard. Et je suis désolée si ce vlog n'est pas très ouf. Mais bon voilà, après j'ai rien fait de spécial, donc je suis vraiment désolée. Mais bon, en tout cas j'espère que ce soir vous allez passer une bête de soirée, que vous allez avoir la peur de votre vie, que vous allez faire peur et que vous allez manger beaucoup de bonbons et vous lavez bien les dents après parce que ça ramène beaucoup de caries. Donc du coup voilà. Je vous dis à toutes. Allez bisous. Fais comme ça. Fais comme... Regarde maman. Attends. T'as trop bougé, t'as trop bougé. Bien. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Comme ça. Que ça sèche. Comme ça, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi.
Bon les gars, je suis rentrée. Il est, je sais pas quelle heure il est. Il est quelle heure les gars? 18h06. Il est 18h06. J'ai pas acheté grand chose, mais quand même, hey, j'ai trop mal au dos. J'ai porté le sac sur l'épaule là. J'ai trop mal. J'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté ça pour Inès parce qu'elle a kiffé. Donc j'ai pris des Danonino à boire. J'ai pris des petits lus pour Inès. J'ai pris du jambon de poulet doré au four, j'adore. Des saucisses. Des lardons halal. Non, c'est même pas des lardons, c'est des lardinettes. Et pour moi, j'ai pris des lardons. Et je suis désolée, je me tape un fou rire, mais je suis éclatée. J'ai tellement mal au dos que dès que je rigole, j'ai mal. Donc ça me fait encore plus rigoler. Je vous jure, c'est insupportable. Bref, j'ai pris des lardons. J'ai envie de manger des pâtes carbonara. Mais vraiment, j'ai pris des tomates. J'ai pris des gnocchis à poêler. J'adore ça, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. J'ai pris de la crème fraîche. Monsieur a pris des Nesquik, pardon. Des Yop, des myrtilles, un pot de 500 grammes parce que c'est mon péché mignon ça. Donc je me dis ce soir, au lieu... J'aurais pas dû ouvrir le paquet. Au lieu de grignoter des gâteaux ou quoi, bah ça devant un film. Bref, je vais ranger tout mon bordel. On va faire un petit make-up ensemble. Je vais faire un make-up très rapide. Juste, j'ai trop envie d'essayer. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais je vais le faire avec vous. Donc, je range tout ça et on se retrouve tout de suite. Bon, les gars, je vais reproduire. Enfin, du moins, je vais essayer de reproduire un make-up qui, soi-disant, se fait en 10 minutes. Qui est pas trop difficile. Et surtout, qui a pas besoin de beaucoup de choses. Il vous faut juste un eyeliner noir bien mat. Un crayon blanc. Normalement, c'est mieux un eyeliner. Mais si vous avez qu'un crayon blanc, c'est pas grave. Il faut aussi un crayon noir pour mettre au niveau de la muqueuse. Et un fard marron mat. Donc, du coup, c'est tout ce qu'il nous faut pour réaliser ce make-up. Donc on va essayer. Vous avez vu, j'ai pas de mascara ici. Parce qu'on va venir travailler au niveau de l'œil, au niveau de la bouche. Je ne sais pas, on va se lancer. On va se lancer. En gros, dès le début, il faut venir en gros faire des points qu'on va relier ensemble après. En fait, on fait deux de chaque côté dans ce sens-là et deux comme ça dans l'autre sens. Ensuite, on va venir en mettre un ici. Et une fois qu'on a fait nos tracés, on va venir relier tous les points. Pas besoin que ça soit hyper précis. Donc on va venir faire ça tout de suite. Donc en gros, une fois qu'on a fait ça, on va venir faire en fait les ombres et c'est là que toute la magie va t'opérer. Et après je me ferai un trait d'eyeliner parce que là ça ne ressemble à rien. Donc là on va prendre le fard marron le plus foncé qu'on a. Hop. Et en fait on va partir du haut jusqu'en bas et en fait on va venir relier les deux parties sans passer vraiment. En fait il faut qu'il y ait cet effet de comment dire, d'ombre en fait. Donc je vais vous montrer. Vous partez d'en haut, en fait vous reliez le haut et le bas. Mais vous ne touchez pas au reste. Vous voyez, vous faites pareil pour tous. Vous voyez, genre deg. Bon, j'ai l'impression qu'il me manque une pâte ici. Je sais pas ce que vous en pensez, genre j'ai l'impression que ça fait trop vide. Donc je vais venir en rajouter une, je pense. Ça va mieux. On va laisser sécher un petit peu et on va venir faire pareil du coup au niveau de la bouche. Un truc très simple aussi. Eyeliner, vous voyez, pour rejoindre cette patte-ci. Voilà, je vais faire un pareil de l'autre côté.
Je sais pas ce que j'en pense de ça là. Pour l'instant, rien. On va venir du coup faire les ombres comme dans les autres. En fait, celle-là, elle me gêne. Au niveau de l'œil, j'aime bien. Ah non, attendez, j'ai oublié de faire les ombres ici. J'aime bien au niveau de l'œil, au niveau de la bouche, j'aime un peu moins, je sais pas pourquoi, je sais pas vous. Genre je trouve que c'est assez réaliste. On va essayer de venir rajouter du coup le crayon dedans pour voir s'il y a vraiment une grosse différence ou pas. En gros, il faut venir juste faire des genre des petits tirets, vous voyez, juste histoire de donner du relief aux pattes d'araignée. Ah, je trouve que c'est encore plus dégueulasse. Oui, ça me dégoûte. Et on va venir mettre du crayon noir. Bah écoutez, je trouve pas ça dégueulasse, franchement. Je trouve ça plutôt joli, plutôt réussi, même si ça me dégoûte. Franchement, je trouve que ça fait son effet avec les petits points blancs et tout. Je pense que ça rajoute un petit truc. Honnêtement, je sais pas ce que vous pensez de ce petit make-up, mais je l'ai fait en 20 minutes, mais bon, je filme, je papote un peu. Mais je trouve que c'est un truc qui fait son effet, qui est assez rapide à faire. Il n'y a pas besoin d'être trop précis, parce que voilà, ça reste des pattes d'araignée, c'est pas le... Ah, je vous jure que de me regarder dans le retour écran, ça me dégoûte un peu. Mais je trouve que franchement, ça fait grave son effet. Celui de la bouche, j'aime un peu moins, mais vous voyez comme ça, ça fait trop beau. J'aime beaucoup. Je déteste les araignées, ça me... Je vous jure, à chaque fois que je me regarde, j'ai l'impression de sentir un frisson. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça me dégoûte. Franchement, je trouve que ça fait son effet. Je trouve que ça fait son effet. C'est plutôt pas mal. Honnêtement, si vous cherchez un make-up assez rapide, assez simple et efficace, je pense que celui-ci, vous pouvez les faire sortir de partout, de l'oreille, du nez, de l'autre œil, genre faire deux grosses araignées sans que ça soit là, mais juste au niveau des yeux. Franchement, j'aime beaucoup, je vous dis la vérité, je trouve ça très joli. Enfin, joli, pas du tout, mais ça me dégoûte, mais vraiment, mais un point. Mais genre, je trouve que c'est très bien réalisé, genre, c'est pas le maquillage le plus joli que j'ai fait, mais... Genre je trouve que c'est plutôt pas mal. Honnêtement, j'aime beaucoup. Là ce que je vais faire c'est que il est actuellement 19h. On va passer une demi-heure voire une heure en train de choisir ce qu'on va manger ce soir parce qu'on va commander. Donc déjà on va se dézoomer un petit peu. Bref, j'étais en train de vous dire on va... Là ça me... J'aime pas trop. Je dirais, je sais pas, j'ai une méduse qui sort. En tout cas, j'étais en train de vous dire, on va passer une demi-heure, voire une heure en train de choisir ce qu'on doit bouffer. Donc là, je vais aller dans le salon. On regarde en même temps. Au même temps, je me démaquille. Voilà, c'était vraiment juste pour la vidéo, histoire de faire une petite photo et tout, plutôt sympatoche. Bon les gars, je vous reprends un peu plus tard. Je suis en train de me démaquiller. Je suis sortie comme ça. J'avais complètement oublié que j'étais maquillée. On a mangé. J'ai ma meilleure amie qui est passée. Je suis trop contente. Ça faisait des mois et des mois et des mois que je ne l'avais pas vue. Donc du coup, elle est passée parce que sa maman, elle habite juste à côté de chez moi. Donc du coup, quand elle vient la voir, elle profite. Elle passe me voir. Donc ça m'a fait grave du bien. Il fallait bien me laver le visage après. Bon, tout ça pour dire que les vlogs d'automne, c'est fini. C'est le dernier. Franchement, je suis trop contente d'avoir passé ce mois avec vous. Merci d'avoir été là, merci d'avoir suivi mes aventures tous les jours. Franchement, vous êtes des amours, je saurais pas vous l'expliquer, genre, mais je vous aime de tout mon cœur. Et encore merci pour tout, merci d'être là, merci de me soutenir et merci de me donner autant d'amour. Franchement, ça me fait grave plaisir et j'espère que les prochaines vidéos qui vont suivre vont vous plaire aussi. N'hésitez pas à me donner votre avis du coup dans les commentaires une fois qu'elles seront sorties, que je sache aussi, parce que je fais ça pas que pour moi mais pour vous aussi, donc c'est très important d'avoir votre avis. Donc voilà, j'aime pas les adieux, bon c'est pas un adieu mais j'aime pas dire au revoir. Mais bon, en tout cas j'espère que ce mois vous a plu, même si on n'a pas fait grand chose. J'ai galéré de fou, j'ai la tête comme
comme ça. J'ai l'impression que j'ai eu le temps pour rien, mais je suis très contente d'avoir partagé ce mois avec vous, d'avoir réussi franchement, à part le jour où je me suis trompée que bah, j'ai pas posté le bonjour, mais sinon à part ça je n'ai eu aucun souci, j'ai réussi à rattraper mon retard et tout, donc du coup franchement je suis hyper contente, hyper reconnaissante, donc merci pour tout, merci à vous, et puis voilà, de toute façon on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, peut-être dimanche prochain, peut-être dans deux dimanches, je sais pas. En tout cas, toutes les vidéos que vous allez voir, ça sera des vidéos pré-filmées. Parce que du coup, forcément, vous comprendrez que le fait que je travaille, bah, ça va être un peu plus compliqué. J'ai vraiment envie de me concentrer là-dessus, essayer d'aller aussi un peu mieux. Après, je vous donnerai toujours des petites nouvelles sur Insta si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, ça va aller. Je suis confiante. Mais bon, en tout cas, merci pour tout. Je vous aime de tout mon cœur. Et de toute façon, on se dit à dimanche prochain ou à dans deux dimanches à 17h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.